Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ces problèmes? Notre hospitalité, notre bonté nous a amené finalement dans une zone où je peux dire que nous vivons l'enfer au paradis. Parce que le Congo, c'était paradis, un véritable paradis. Mais il y a une autre guerre qui est oubliée, celle-là. Elle est silencieuse, elle n'est pas comme la première, accompagnée de canons, de bruit de canons, de bruit de balles. C'est la faim. C'est la pauvreté. Et ici, je voudrais épingler spécialement la question qui a été mise en exergue par le ministre de la Communication et Médias, la pénurie de la farine de maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème. Mais ce problème revêt une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise, en réalité, plonge ses racines dans les passés lointains. Je peux situer ça en 1885, à l'époque de l'État indépendant du Congo. Les méthodes de départ étaient déjà mauvaises pour produire du caoutchouc, pour produire du café, pour produire du coton. Il fallait de la bastonnade où on vous coupe la main pour produire plus le lendemain. On donnait des assignations, vous ne respectez pas et vous êtes puni sévèrement. C'était ça le modèle d'accumulation du capital. 1885, 1908 et 1908-1960, c'est la colonisation. Là, c'est la chicotte. C'est des barrières, vous ne quittez pas vos villages, vous produisez. Mais à l'indépendance, le père de l'indépendance, le fruit de l'indépendance, il fallait que les citoyens congolais se déplacent librement sur leur territoire. Mais vous comprenez bien l'exercice. Les gens qui étaient forcés de cultiver pour nourrir ceux qui sont dans les milieux ruraux, d'une part, et d'autre part, produire des produits, des cultures pérennes pour alimenter l'industrie naissante. Voilà. Amis téléspectateurs de Am TV, Mbote, bon mardi. Nabande konyon so balinga kamamon bibi. Et puis merci beaucoup. Nabande konyon so soki ba moninga absente. Ba komon na actualité ko le kaba ou benga na téléphone. Merci beaucoup. C'est là où na ko sentir pena ke j'ai une famille. Na zo sentir pena ke na nabande ko yanga. O balinga kanga au vrai sens ya mot. Bande konanga esengo nanga ezak marmo nyon sonaira koloba. Nazo constate ke zo ke neka kanenge na loba na bino. Boko se rappele na likambo ya penri ya maïs. O ba ministre ba se deplasa ki 10 pona kokende na Afrique du Sud, Zambie, pona kokende koluka o ba bengi Masangu. Na mi sepelara mingi, pe na sepelara mingi na bato nyonso balandaranga po baza bato a communauté nanga. Pe ba yebi en fait maramuni to aka kusolola. Lelo na ana pasi, ya roye ba kende ko Vital Kamerhe. O batali sa biso baloba na biso le pacificateur. Ne ko Vital Kamerhe o ba yebi sa biso na bakombo nyonso bolingi. Monsieur Vital Kamerhe, oyo lobby a yebisa biso ki a démissionné parce que Félix Joseph Kabila azali ko se méconduire na kati ya pouvoir. Akei na ko démissionné na Joseph Kabila parce que Joseph Kabila azala ki proche ya Rwanda ainsi de suite, azala ki vraiment main noire na kati ya makambo ezaki koleka na est ya République. Les noms de Vital Kamerhe wana oyo a ko maîtriser la situation ya est plus que ba ministre ebele o bazali lelo na kati ya Félix Tshisekedi a préféré na ye akende na ngambo ya économie parce que personne ne va nous dire que ndeko Vital Kamerhe ne savait pas kalinga ki azala ministre. Et aujourd'hui je viens de me rendre compte que Vital Kamerhe a refusé d'autres postes. Il a demandé à Félix Tshisekedi ya ko nommer na poste ya ministre ya économie. Et chose grave et chose étonnante, oh ngana moni mokolo alobi. Ndeko Vital Kamerhe a raté en fait
une bonne occasion de se taire. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, je constate que toute l'intelligence vendue, Yandeko Félix et tu, Yandeko Vital Kamer et beaucoup excusez-moi, Félix et Tshisekedi, il est tellement base, il y a Maramonio, ce que les Kalamboka. J'arrive deux fois à tout moment, il y a autant à Rakar, à Kombo, Yandeko Félix et Tshisekedi, à la place même, il y a Moto, on a Kolobila, un sujet de Kosovo. Parce que Toko Zonga, peine à sujet à Félix et Tshisekedi, na Sadek, na Ena, EAC. Ndeko Vital Kamer, oyo lobi batekela kibiso. Balobi na biso ki azali intelligent, un homme so ki nini, l'un pacificateur. Chers frères et sœurs, encore une fois, je viens vous interpeller. Que le français que parlent nos politiciens est endommagé à l'intelligence na binoté. Et en porte à kabinoté. Parce que aujourd'hui, mande qu'on a 8 ans, tant on a zui annonce Yandeko Vital Kamer na lobi na kosale loko mususu te mokolo alelo sauf ko landa vidéo o ya 1h40 quelques minutes du début à la fin. J'avais l'impression d'être face à un monsieur le professeur ya géographie. Ndeko Vital Kamer oyo enga ki est boosté sortie médiatique na ye. Et Zala qui plutôt, Koya Kopé Sabiso explication sur ce qui s'est passé na maïs na Mupandi. Et na 1h40 quelques, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas plus de 5 journalistes au Bamarkenga. Et ce qui m'étonne, tous ces journalistes-là n'ont pas eu de réponse na ma question na Bango. Mais maintenant, continuez quand même, Kokende. Merci beaucoup, Nandeko Louis-France Kouzaki, Sanaïbte, ceux qui n'ont massacré Combo. Merci beaucoup, Nandeko Gilles Boulembi. Merci, Nandeko Flavien Kouswani. Fabien. Fabien Kouswani, ka. Flavien. Voilà. Nandeko Flavien. Oh, ça là, ka. Voilà, Boebi Ndeko Flavien. Combo Ezo Kima. Non, Ezo Kima, mais Boebi quand même Ndeko Flavien. Bande Konabi Soana Misatu. Tozu Penan Ndeko Jean-Marie Kassamba. L'intelligence ou la presse n'est pas ton ami. La première de choses, monsieur le ministre Mouyaya, je vais commencer par Mouyaya. Monsieur Mouyaya, vous êtes ministre. Il y a gouvernement. Okoki Kolonga quand même na po ya présentateur des émissions. Toyebi que vous avez peut-être fait beaucoup de temps na presse et tout, voilà voilà. Vous n'avez pas eu peut-être le temps ya ko sala ba émission. OK bimisa on a li boso ye bana à part ko kele koko ma député nommé par Joseph Kabila et lelo koko ma ministre, vous préférez plus être na po ya présentateur des émissions. Qui étouffe même ses confrères, parce que là vous êtes présentateur et confrère de tous ces journalistes qui viennent sur votre plateau dans votre émission. Caméraman Tika Rolé qui sera Soraya Mingi, hein, parce que vous exposez plus l'enfant de JB Piana qui exposez les enfants de Vital Kamer. Je ne sais même pas qu'est-ce que Soraya vient chercher dans le plateau où il y a maïs. Je ne sais pas ce qui Soraya peut déjà à Zongeli Moussala. Atali ata prison a kenda ki kosamba lisu lobite, s'il vous plaît. Évitez d'abord ça, hein? Ma image ya bana et tout, et ça va encore m'énerver de plus. Excusez-moi. Nao lo bonzere vidéo est en direct. Ba ye kotangi sa biso balobi na biso ke, ben, ce qui sera à côté peut-être politique, ça sera une bonne chose. Voilà, il y a aussi les fils de donc bana bazongeli quoi. Bazongeli penza mosala na bango esengwa kozana na papa lokola Vital Kamer parce que ce qui a na poste tous ses neveux, tous ses enfants derrière eux. Merci beaucoup Nandeko Bahati Lukwebo. Yé pe ce qui a na poste bana na union son na simana ye. Merci beaucoup na bino parce que tozo ko comprendre que le Congo et qu'on se l'ondira en moitié pour vous. Bisotwa nde na ba miette. Alors ici, je viens pour vous parler.
Monsieur a ébissibiso à l'obique, Bakenda qui kaka 4 ministres. Et ici, il vient pour répondre, Nani. Matata Ponyo. Matata Ponyo a talisé à l'obi depuis Congo et Zala Congo. Depuis monde et Zala monde. C'est la toute première fois de voir 11, ce qui dit ministre, se déplacer pour Nalikamboa Maïs. Il y a deux grandes provinces. Donc, va déplacer pour la maïs na Grand Katanga, va déplacer pour la maïs na Grand Kasai. C'était ça en fait l'objectif. Le nom de Kovita Kamere a yé na télévision pour qu'il y ait Bisabiso, Keye, Akenakina, 10 ministres étaient, et ça même l'okuta, bato nyon so baya ke fala ke ovanda kimia papa Vital Kamere. Il semble que Babenga Kayo pacificateur, malgré que je ne maîtrise pas OSO pacifia. Ce qui t'a l'obit au tanga, t'a même, à l'obit 4 ministres, moi je vais vous citer maintenant. Neko Julien Palou, Neko Vital Kamere, Neko Kazadi. Bonjour, comptez, hein, t'as combien à combien? 3. Ministre et agriculture. Tozui ministre y a. Ah là 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 là. Combo de Izuki manga. Ministre y a hydrocarbures. T'as combien à combien? 5. Monsieur Vital Kamere parle de quoi? Monsieur Vital Kamere parle de quoi? Vous allez nous dire que Mais noir au Boza quoi accusé? C'est alors moi. Mais noir en Wézanga. Liste au topé document signé par Jean-Michel Samaloukonde le 28 avril. Est-ce que Ndeko Vital Kamere attend qui même document? Est-ce que Ndeko Vital Kamere a eu le temps de lire ces documents? Où est-ce que le document est-ce qui n'a possession n'a été? C'est quand même triste de voir aujourd'hui, nous avons des politiciens Oya Kobima pour ne rien dire. Et M. Jean-Marie Kassamba, dans mon hôtel, il n'était pas convaincu. Ndeko Vital Kamere a convaincu Motomo côté na Salouana. L'avantage avec cette salle, c'est quoi? Ce qui est, on posait question, t'es. On a 100 dollars, je ne sais pas ce qui va m'attirer ça. Mais on posait question, t'es. Tu as tes 100 dollars. Donc, quand on a mis ce sous ma journée, ça fait maintenant que on a besoin d'attendre ça plein dans tout le monde. Et quand elle lui invite, il n'a pas le choix, il va quand même venir. On a plein de gens qui ont mais attends. Ce qu'ils attendent, on a entendu ça plein de gens, mais on a d'accord. Il n'y a pas un journaliste qui était convaincu dans cette salle. Namakamonyo sur Vital Kamere. Vital Kamere arrive à donner une explication de 30 minutes avec des papiers pondés par son cabinet. Cabinet n'a épondé ma papier avec explication à dormir debout. Neko Vital Kamere arrive devant la presse. Il reclame même. Mettez-moi ces images-là, je vais expliquer. Ce n'est pas ça, Neko Vital Kamere. Peuple congolais n'a pas besoin de ça. Je suis désolé. Vous êtes ministre de l'économie. Quand il y a la biso d'explication, tu es à dormir debout. Au même les biso carte, il y a République démocratique du Congo, comme professeur, il y a géographie, comme on a kotangi sa biso, ah, bah, maïs, c'est Ali, ah, n'y a pas de bote, il sera, nani, et l'or, ou est-ce que ce qui est de profiter de Kamere, l'explication que vous avez amenée hier au Congolais, au Yemaki Yango, c'est-à-dire, tu n'avais pas besoin de venir nous expliquer à la télé. Au lingako le kana malamment qu'on exercice, c'est-à-dire qu'on ne peut produire. Et ce qui m'étonne, oh, ils appellent qu'on captive nga, ah, ou anakati yaba propos yande ko Vital Kamere, azali ko kende ko longola, oh, ba bengi ba taxe, ba impôt, na, ba producteur ya maïs, ba to nyon sobe exporta ka maïs, ba importa ka maïs, en fait, na Congo, pour que na par na ye, atali sarabango ke, il y a un ministre de l'économie à Malamu, il y a un importé maïs, il y a un maïs, il y a un maïs, il y a un maïs, il y a en raison de quoi? Je ne comprends pas. Montant au batouana, il y a un taxe.
moto et sali que bango ba matisa maïs na 100 000. Il faut d'abord arriver là. Poser d'abord cette question. Est-ce que yango de sali que le loba koma kote kabunga topé maïs na 50 dollars? Et sa question à l'ibosu sengeli d'abord totuna. Vous en tant qu'économiste, nini et sali que okene non kokota na be échelle te yako meka kotia ordre na niveau wana ya prix. Par rapport, il y a ba importateur wana nyonso ya maïs, topé ba producteur nyonso ya maïs. Ne confiter caméra à lobby makambo moins belé mokolo à lobby. Mais moi je me re d'abord ici, Nati Kabino, face ya ba journaliste oh ba humilié. Quelqu'un me pose la question, pourquoi vous retenez, pourquoi vous ne disiez que le mot oui, parce que c'est un mot très compréhensible pour le Congolais. Je pense que quand je dis ces mots, ça aide tellement les Congolais à bien comprendre tout de suite l'explication de la chose. Ne profitez qu'à mes lobby, professeur, il y a géographie. Na place ya kotie la biso maïs, to mona maïs ya ngoyo. Ah, ok, ya ngonde bo gende kozo bons. Koso yi to liye oyo, oyo roya kuna to liye akon. Ba critique nyon so o biso to sali. Ya ngonde e sali ke vitel kamer razon asim. Malgré leur commande, ya ba maïs o ya ma be. Nde ko vitel kamer e ya zongi kamem ne sima. Po na kota li sa ke, ba kokende kolona, c'est ça notre objectif. Et na koke de kolona, Vitel Kamere a kei ko panzali sou bombo, boum. Ba kolongo la bango, na. Ba bengi. Ba tax, tope ba impo. Non seulement ba longoli bango yango, ba kei na ko pesa bango li sou sou mbongo pour la ko produire maïs, na mabele na biso. Mais attendez. Et le Congo gagne quoi? Vous n'allez pas quand même me dire. Wane za makambo, ton mousou to mouna ki, Macron a kena ki ko salango pour tous les riches de son pays. Mais est-ce que ba riche wana nyonso ba keina ko comblé ba vide oh France et banda ki ko luka? Non. Vous n'êtes même pas encore président de la République. Wana ezali ba décision au président na ko kende na ko zongo kota la budget oh bazan na yango déjà. Vital Kamerhe n'a pas pu répondre na question ata moko concernant likambo ya budget. Oyo ba kolongo la kotia na kote, c'était comme si azayi ko swa nana ba journaliste. Bande kona o ki soli. Nde ko Vital Kamerhe ba bisa ki biso ki atanga mingi. Heureusement, di plan na ya souka ba tese ki biso azaki on a Grèce. Na hebi tiso aza kantiem Kongole o akende ko tanga na Grèce. Je vous dis que, na tali ba video oyo, n'a pas si na motema parce que biso déjà tozan na barrière motoloko anga na plateau ou dans okende te déjà avec ma position actuelle ah wata na jou invitation na okende te pour déjà mon invitation la dernière invitation e sengela ki na zwa ba déconnecter ki nga na kati ya groupe ya ba journaliste nyonso ou bazala ah. Pourquoi parce que na posa avi na nga contre ba propos ya mouyaya concernant makambo ba policier Rwandais, oh ba ya ki na République démocratique du Congo, na tomo ba ebisa ki biso A, na poko ba ebisi biso B, na, bande kwa tan nan zayi ko lobate na télévision, mais dans des groupes WhatsApp, où ya de journalistes, oh ba tira biso ba ministère ainsi de suite, na zara ki ko loba. Et ne ko Vital Kamerhe lelo, a ke ko tali sa biso ke, le pouvoir de Félix Tshisekedi est vide. Bon ko landa à travers les journalistes, Bino moro boroyoka. Nde profitant caméra a pris 30 minutes. Il y a explication pour ne rien dire. Je pense que jusque là vous êtes d'accord avec moi. Nde profitant caméra a ke kozwali susu. Après 30 minutes, babandi ma journaliste, la première journaliste a reposé question. Bon, vous allez m'excuser, c'est une journaliste pro Félix. Ben, sa question déjà n'avait pas de valeur. Et vous allez m'excuser pour passer. Je vais prendre de journalistes au bazar à côté à peuple. Tant que vous avez bango na question na bango, vous avez constaté que non, vous moto abalou si moutou pour na ko répondre. Ne kon abiso ya RFI. A tout ni question na Vital Kamerhe. Mais bota l'attitude, il y a Vital Kamerhe. Avant d'entendre de kojan Marie Kassamba. Trop banan na de kon abiso ya.
Excusez-moi. Voilà, il est là. Voilà. Vous allez suivre avec moi et vous allez comprendre que Vital Kamerhe, oh, bah, t'es là qui bicholobi. Parce qu'elle est là, Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement de Félix? Yemoto a dénoncé ça. Est la République, bah, main noire. Yemoto a dénoncé ça, mes gestions. Yemoto a dénoncé ça. Il m'a ramené pour qu'il bien t'es qui va faire croire bicho à l'époque. Et les là, donc, on constate que. Bah constata qu'il n'était pas au sous ma détournement. Bah constata qu'il n'était pas au sous. Ma boko milai, Vital Kamerhe, Azala qui a obligation, il y a pour quitter la chose avant que la chose ait quitté. C'est ce que nous comprenons aujourd'hui. Bolanda, Ndeko Vital Kamerhe face. Il y a journaliste, il y a RFI. Tous en ont nous face, il y a Ndeko Jean-Marie Kassamba. Pour qu'il n'a calé bien. Alors que nous avons pu l'exporter. En ce qui concerne la farine de maïs et les graines de maïs, public. Et merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Oh, à Tali Sibiso, que Nenge Vital Kamerhe Kiwana, ma militant peu basaki na kati ya salle. Bon, tant bon, public, bon, wana eza ba militant. Il y a parti, bah fouteli bah mot transport, bah ben ici, bah lobby pour y'a participer na point de presse. Briefing, wana, émission, yandeko, Patrick Mouyaya. Donc, bah y'a ko participer na point de presse, oyo. Et si ka bah journaliste, y'a tendance union so bah kozala, n'est-ce pas, c'est mettre d'abord le journaliste en danger. Gare aux journalistes, on va répondre à quand même et que Dieu Est-ce qu'on vous peut savoir protège. un signe qu'en vert, vous pouvez aller jusqu'à la fin et on vous mettra, c'était du ciment, c'était des barres de fer en direction du Kassai. D'avoir un début de lumière à Goungou et que d'ici la fin. En ce qui concerne la farine, Oh là le là, transit, je n'arrive qui pas à caler atteste là. clairement, 8 h caméra, je crois que lâche-moi. c'est ça que le ministre. Une urgence ou une découverte? D'argent, il y a l'urgence des élections. Mais il faut lire. Vous avez d'argent, il y a l'urgence. Jean-Marie Cassandre. Voilà. Merci, monsieur le ministre, monsieur le BPM. La presse de Kinshasa est très heureuse d'assister à la première version de briefing mélangé avec. Une forte présence militante dans la salle. Merci à eux parce qu'ils n'ont pas pu perturber tout ceci. Question, monsieur le BPM. Cette situation est-elle une surprise, Une surprise, une urgence une urgence, ou une découverte pour le gouvernement? une découverte pour Parce le que. gouvernement. Tozuka wana. Tango batuni déjà motuna. Soki makamboyo. Oh, bango balamu ki di ministre un bon matin. Pour la kokende d'urgence na Afrique du Sud, ezali urgence, découverte ou surprise. Ndeko Vital Kamerhe répondu à kinini. Parce que na lingi na mixé question, na posé ango à ma manière, pour que boyo ka réponse ya Ndeko Vital Kamerhe. Ndeko Vital Kamerhe, pour une première fois, je ne sais dire première ou deuxième, mais déjà tango à l'ouba ki karaké. Moi, quand j'étais en Afrique du Sud, il y a un problème qui s'abatoke. L'obi batouni est même question. Concernant les Kamboyato, il y a des changes. Il n'avait pas de réponse. Mais il y a un des qui parole na ye Liboso. Tango azui, ministère Oyo. Alobi, quand j'étais en Europe, mi kolonyo so soki akolobeza kaka. Tango na za ki et pendant nga na France. Sur mon avenir, je voyais les gens, je regardais des vidéos, on m'envoyait, les gens me réclamaient pour la Likamboitali taux d'échange. Wonezala qui parole yali boso yandeko Vital Kamerhe. Aussitôt natalaki, nakoma na liso mususu ya rotala ba politicien congolais. Les gens m'appellent. Oh, maman Bibi, marche en a reportant, oui, elle est 13 et comme il est 20 au lobby à l'autre côté. Si, je vais parler. Mais je vais parler, mais vous serez déçus. Je veux parler, mais vous serez déçus. Parce que, oh,
on a reloba concernant marche ou on a beaucoup comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Monsieur Vital Kamerhe, ce problème oyeko passé au bino bokeyi d'urgence ezali surprise ezali urgence ou ezali nini boyo ka réponse ya de ko Vital Kamerhe. On vous a demandé à plusieurs reprises ici les chiffrages de ces mesures d'urgence qu'on a pu voir tout à l'heure. Oui, okay. Combien exactement sera ponctionné dans le budget en exécution ma journaliste Mayele Yamboka Nanga pour financer Mazaïwana cette crise de maïs. Quand on sait effectivement qu'il y a l'urgence de la guerre, qui ponctionne suffisamment d'argent. Il y a l'urgence des élections qui risquent de poser problème et aussi des catastrophes naturelles qui s'accumulent chaque jour. Donc, un chiffrage. On aimerait savoir combien exactement sera prélevé du Trésor pour faire face à cette situation. Deuxièmement, d'après quelques éléments à notre position, Tengue Fungurume, qui avait un stock très important de minerais, qui n'avait pas exporté ces minerais, a réquisitionné beaucoup de camions, notamment en provenance d'Afrique du Sud, pour évacuer cette production. Alors, vous allez prendre dans le camion de Tengue, déjà réservé, ou vous avez commandé d'autres camions qui vont pouvoir évacuer ou ramener ces maïs chez nous. Et aussi, ces producteurs locaux, je vais terminer. Ces producteurs locaux, ils sont dans des zones souvent enclavées. Même le service national éprouve des difficultés pour évacuer ce qu'ils font. Alors, le plan des routes d'évacuation de ces producteurs locaux, on sait qu'une route minimum, c'est 6 mois. Alors que l'échéance du bilan, c'est... Enfin, du mandat, c'est bientôt. Monsieur JMK, je veux vous reprendre parce que la question est comprise avec votre commentaire. Bon, de toute évidence. La question, vous en avez posé deux. Je vais juste non, plusieurs. L'idée. Bon, là, Namou Yaya. Ma conclusion est que. Les défenseurs du gouvernement. D'une manière structurelle, combien vous allez mettre pour ces producteurs locaux? Est-ce que ça sera par des appels d'offres gré à gré ou plus volontaire, combien ça va être mis à la disposition? Et de deux, quel temps vous donnez pour finir avec l'urgence du maïs? Alors, je veux commencer avant que le vice-premier ministre ne vous réponde. On l'a dit tout à l'heure, au Katanga, on produit du maïs. Et là, Mouyaya a posé la parole avant même VPM a posé la parole, selon Yé, a posé la yango, pour n'a côté Alissa. Déjà, en un mot, Ndeko Vital Kamerhe, direction ni Sengeli Azoa pour la réponse. Vous allez imaginer, à travers cette émission, toutes les questions étaient évitées sur l'Ikamboetali agriculture, disant que ministre y a agriculture azate. Mais puis, vous voyez, Kiboko Benga, ministre y a économie, n'a lien, n'a agriculture, n'a l'Ikamboetali maïs. Comment vous voyez, Kiboko Benga, ça? Parce que tant que vous voyez, ça. Ministre y a défense, topé ministre y a topé nani gouverneur, oh tout le monde a y a pour la relever Maramboa Est, tout le monde a rapporté parole y a gouverneur y a armée, tout le monde a rapporté parole y a police. Pourquoi a Boko Bengi ça? Ministre y a économie, na lien na likambo etali pénurie y a maïs, na grand Katanga na grand Kasai. Pendant que y a pe azalaki. Mais Bobengi si ministre pour étouffer d'autres questions. L'Ikamboeta les chiffres. Ce qui n'est pas vital quand même Rosala qui quand même l'intelligence n'est pas qui kota l'isabisson. On n'est koyate. Pour y a qui déjà que beaucoup étouffé l'Ikamboeta les chiffres. L'Ikamboeta les montants combien va dépenser pour la Likamboaba maïs. N'est pas vital quand même encore une fois on acclame. Population, botier les mains. Bakéi n'a son jour bis. Tant que tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tant
Tant que tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le avancement est Félix et tu sais qu'il dit. Donc, quel pays, beaucoup qui commande à bateau bas sangana pour un projet qui n'a pas de tête, non plus de cœur, et n'a pas de bango bas côté le peuple congolais, et ça qu'on a liboum. Et la carte à liboum, le gouvernement congolais va se retrouver à travers les ministres n'a pas poche nabango par rapport à ces projets bidons, il y a maïs, il y a une urgence pour faire saigner notre trésor public. Et vous ne voulez pas que le Congolais puisse commenter à ce sujet. Monsieur Vital Kamerhe n'a pas pu répondre à une seule question concernant les chiffres. Et vous voulez que nous, de notre côté, tant qu'il ne commette la Félix et Tshisekedi Maboko. C'est à ce point, ne Félix et Tshisekedi. Donc, ce qui est bien, dans ces briefings, Mouyaya avait déjà communiqué en fait de questions. Et les journalistes m'ont dribblé Mouyaya. C'est-à-dire, on les avait déjà interdits. Il y a Kolobela Likambo et Funguru, mais il y a Kolobela Likambo Production, il y a Service National. Ils ont étouffé même Likambo et Service National. Vous trouvez ça normal? Répondez-moi. Vous trouvez ça normal? Comment Boroki Koya? Botouni question, il y a Likambo et Service National. Service National arrive à produire. Ils ont manqué, ma hectare. Na mabele autres en ango pour que a produire. Pourquoi bozu même bo pesi exclusivité te ya bukanga lonzo oh bino bokangi yango pour que bosala ngo bilanga liamba. Dites ça aux populations. Dites ça à la population. Bolo bango na population on dit la vérité. Bon cracher ma vérité population aïe ba réellement. Bukanga lonzo wana, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Ce qui bozwa ki mbongo. Pour la consomme, ba jeep ya ba député. Ba tracteur wana pour la consomme à Massangou, ça vous coûte combien? Les kamboko tu ya Bukangalonzo, ce n'est même pas de tracteur. Parce que nga tango la kekuna na zongana 3 sacs ya maïs. Na zongana 3 sacs ya maïs pour le reportage na kena pour ça là. C'est-à-dire que te mokolo ya lelo, et ça dit qu'on continue qu'on kende produire. Le ministre, oyo ya bilanga, à cette époque là, Balongo la ye uniquement parce que le ministre là a linga kité bakanga bukanga lonzo. Bozo ko imagine? Félix et Tshisekedi azali ko soutenir bato bako e la ekop. Azali ko soutenir bato bako kende ko sala plus kop po na ye. Et c'est pareil avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Soit que zo sala kop, oza pirié. Soit que zo sala kop te, oza motona ete yango moni ye nan de ko jeko ko moulumba basali libala. Neko Jean-Marie Kassamba, directement on lui étouffe. Non, mais c'est Jean-Marie. Et c'était le défenseur, Mouyaya, le présentateur du gouvernement. Né à suivre parole pour étouffer. Et il y avait un journaliste qui avait manqué ici. Le journaliste qui a manqué, il y a briefing, oh, c'était M. Steve Wemby. Donc, ce qui équilibre, il y a briefing, oh, yo. Et ça, qui va journaliste, oh, on a yébi, oh, bah, na moto, et bah, na attitude, y'a journaliste. Donc, c'est-à-dire, même si on a ma position, na yé, parce que nous tous, nous avons des positions, mais, à ce côté, il s'intéresse, non, nous y'a peuple, après, à son guide dans le sentiment, y'a qu'au séca, y'a qu'au. Et bon, quand t'as la décovite en caméra, ici, quand ça, qu'on a bloqué pour nous répondre à la question, a comment ça, sa journaliste blague. Ah, yena yeviye, yaza zalaraka ndengwana, yenga na eto yebani. Non, ça n'a pas de rapport. Le travail, c'est le travail. Après, le travail, c'est les aventures. Mais si vous prenez le travail des autres pour mettre dans l'eau, c'est-à-dire dans les aventures, avant que vous conclure en mon sala, qu'on respecte en mon sala, dites-vous que vous êtes nul. C'est-à-dire, tous les journalistes, oh, bah, les kilobi, à l'exception, il y a un journaliste. Il y a une position autre que position pour soutenir Félix et Tshisekedi. Bango batoba sans ici. Ba humilier, ba faire humilier Vital Kamerhe. Peut-être Vital Kamerhe y a koloba kazali ministre, ezali loko en moto, bokolimbi sanga moi si moko en fait oyo Ruel Mobimbe mona déjà bolumbu naye. Yeso ka kole kanana moto a komi mona ke azali na valeur. Or cette femme là n'a plus de valeur. C'est ça en fait Vital Kamerhe. C'est ce qui s'est passé hier avec Vital Kamerhe. On lui pose de vraies questions. Mais Vital Kamerhe n'était pas en mesure de répondre à ma question en agnonce. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur, un Mouyaya, qui devait
intervenir à chaque fois pour embrouiller le journaliste, pour détourner en fait de réponse. C'était ça en fait le rôle de Mouyaya. Et je ne sais pas, bon, beaucoup excusez-moi, j'allais commenter encore un truc sur mes confrères, mais je ne préfère pas. J'aime plus protéger mes confrères. Oh, naïebi, que basal ramosala n'a vrai sens si amour. Tu continues dans des covital caméré. Tu continues dans des cojons Marie Kassamba. Boko yo ka réponse. Boko ka moi. Et motomoso azanga ki awa. Les perros de la République Louara, les plus grands conseillers de Félix Tshisekedi. Pour conseil, il y a appelé ça qui n'a Félix Tshisekedi. Et à Kena qui n'a pas plus loin, na Chiluba. Pour que vous compreniez bien. Et vous comprendre que tant mon soupe au loba qui a mouluba te. Pour que vous compreniez bien, 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 vous Ape sa mou na chilouba pour que vous zoa les sang. Vous zoa sang. Ya vrai. Nde ko jan marika samba souka ki wana te to Rolanda. Bon, vous comprenez, maman, bibi, kanda. Posez la question à Jacques Yaboula. On commence à vous orienter. Ce qui me nerve en fait. Pour ça, on a la carte à la télévision. Mou ya ya oriente au journaliste. Oh, tant mon souba banda presse avant yé. Comment poser des questions? Donc, vous avez la même chose, liberté à presse à Ouézala quitté. Et pourtant, il n'y a pas plus tard que quelques jours, car on a même moi, à où tu vas faire fêter Félix et tu sais que Dina Rosong est la sujet, parce que ça quand même grave ce que Mouyaya a fait. Faire fêter la journée de la presse, il y a liberté à presse, n'a pas politicien et les amis de Mouyaya. En fait, ces briefings, c'est plutôt les amis de Mouyaya, Nebayaka, si on peut avoir une embrouillée population, nous avons eu un peu de temps pour nous, Jules Boulembi, Jean-Marie Kassamba, Jean-Marie Kassamba, pour nous dire que nous avons eu un peu de temps, je ne me rappelle plus, mais nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, nous avons eu un peu de temps, Louis-France Kouzeki, pour que nous avons troublé un peu la population, pour comprendre que nous avons eu réellement. Nakati ya briefing na yo topé émission na yo. C'était quand même regrettable, mais bon yoka, pour ceux qui n'ont lobby ka nga moko ezala intéressante. Poser la question à Fifi Masuka, et Jacques Yaboula subventionne pour 20 000 hectares les producteurs de maïs. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'a pas commencé à travailler sur la question, premièrement. Deuxièmement, le problème est structurel depuis bien longtemps. Je me réserve de refaire encore d'autres commentaires. Parce que bien avant nous, il y a ceux qui étaient conscients qu'il y avait un problème de production du maïs et qui se sont organisés pour eux en privé, d'en devenir des producteurs et n'est pas créé un écosystème avec plusieurs comme eux qui permet de produire de maïs, on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes. Ça, c'est aussi la réalité qu'il faut relever. Aujourd'hui, nous nous venons, non pas pour regarder ce qui s'est passé, mais pour asseoir les bases, pour aller de l'avant, il y a une situation urgente. Les VPM l'a dit, on a regardé, on a parlé des parafiscalités toxiques, on a parlé avec la FEC, parce que l'État a un rôle régulateur. L'État n'est pas celui qui doit commencer à produire à tous les coins. L'État, c'est celui qui crée. Mais c'est ce qui se fait déjà. Qui permettent l'évacuation et qui permettent tout ce qui s'ensuit. Les sujets de l'agriculture, nous l'avons abordé en dernier conseil de ministres. Je me réserve de vous donner les chiffres que le ministre de l'Agriculture a avancés par rapport au plan sur lequel le gouvernement a statué, parce que le vice-premier ministre intervient, parce que c'est lui qui a chapeauté avec tous les aspects transversaux, mais le ministre de l'Agriculture nous a donné un plan qui vaut plus d'un milliard de dollars. Parce que quand vous parlez des questions de production en VPM, je termine par là pour ne pas épuiser votre réponse, les saisons, on ne plante pas, lui c'est un fermier, il le dira mieux que moi, à tous les moments de l'année, janvier, février, mars, avril, décembre, il y a des saisons particulière. Ici, l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons trouver des solutions urgentes et nous allons travailler une solution dans la durée. Et pour ça, ça n'a pas besoin d'un terme de mandat présidentiel. Ça doit continuer de manière permanente pour que le Congolais ne manque plus jamais de Bunga. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me réservais de donner les chiffres du plan de José Pandamise de l'agriculture. Et j'ai même oublié... Oui, quand... Il se réservait de donner les chiffres. Il
continue de se réserver de donner les chiffres, Bolanda. Votre prédécesseur a posé la question de savoir, José Panda est dans le secteur productif, il n'est pas de l'économie et finances, comment vous allez faire? Je reçois l'autorisation du Premier ministre d'inviter n'importe quel ministre qui est utile à la réflexion que nous faisons. Et j'avais l'impression, c'est comme il y a tant à Vital Cameroun, on est là, oh, qui dit ça son. Baso qui dit ça son, toi, yo, ka sou bien te. Mais je pense que nabanda bon mati ça plus que pour que boyo ka, parce que vous constaterez que nga na ko domine na son plus que Ndeko Vital Kamerhe, parce que Ndeko Vital Kamerhe, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais on avait l'impression que bazaiko kiti sa moi son pour en rembrayer biso. L'économie et finances. Puisque toute économie finalement dans ce pays et dans le monde, c'est ça qui fait bouger. Et c'est 1 milliard 200 millions de dollars américains pour le plan d'urgence. Mais en ce qui concerne ce que je suis en train de vous présenter ici, Jean-Marie, vous avez posé au moins 10 questions en une seule question, finalement. Synthétisons en trois. Grosse question. Je connais votre tactique. Vous voulez m'embrouiller, mais en réalité, vous voulez savoir si c'est l'État qui va commencer à acheter et vendre. Non. L'État ne va pas acheter et vendre. Déjà, du fait que, Jean-Marie, vous êtes intelligent, du fait que vous, pour passer devant ma maison, ou bien pour faire entrer vos produits, vous devez me payer 100 dollars. Mais je vous dis, désormais, puisque ce produit-là est stratégique pour nous tous, vous ne payez rien. Est-ce que ce n'est pas de l'argent, ça? Quand un producteur économise, il n'a pas payé, l'État dit, je ne prends pas, vous payez zéro. D'après vous, ça n'aura pas un effet significatif sur le coût de production? Vous pensez qu'en ce moment, les fermiers sont mécontents d'entendre M. Kamerhe annoncer et confirmer ce qui a été dit à l'issue du Conseil des ministres dernier? Deux, l'État aurait pu s'abstenir même de mettre de l'argent dans un compte séquestre qui sera géré par une structure qui va impliquer les gouverneurs de province, qui va impliquer les ministres de l'agriculture provinciale, les ministres du commerce extérieur, les ministres de l'industrie, et un regard lointain de Kinshasa pour le suivi, puisqu'il s'agit de l'argent de l'État. L'État va intervenir une seule fois pour montrer l'exemple, pour montrer que nous pouvons effectivement produire et importer du maïs. Là, on vous aide, pour le reste, on crée des conditions pour que vous produisiez vous-même ici, sur place. Évacué par les camions de Tenke Fungourou, mais non. L'opérateur économique, le prix, le maïs importé rendu Lubumbashi, ça sera 19 dollars transport compris quand nous enlevons, quand c'est la taxe zéro. Donc les camionneurs, ça pullule de partout. Mais je déplore le fait que l'argent de nos compatriotes, nos opérateurs économiques, devra aller dans la caisse des camionneurs de la SADC. Si nous arrangeons, c'est comme ça qu'à la suite du même conseil des ministres, nous avons obtenu du gouvernement que nous puissions faire un toilettage dans cette parafiscalité qui est toxique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas distraits. Et les miniers qui ne pensent pas que nous sommes distraits, je suis en train de venir, je vais discuter avec eux. Puisque quand le gouvernement a pris la mesure de subventionner les carburants, les miniers ne sont pas pauvres. Les gens qui produisent la bière, ils ne sont pas pauvres. La Banque centrale n'est pas pauvre. Elle peut payer les carburants au prix, à la vérité des prix, comme aiment bien le dire les gens du Fonds monétaire international. Mais regardez que, et les miniers, et M. Kazamba, payent le même prix à la pompe à la suite de la mesure prise par Kinshasa. Bon, qu'est-ce que c'est comme ma distraction? Ah, toi, Kolobela, les Kamois, question Yandeko, Jean-Marie Kazamba. Jean-Marie Kazamba pose cette question. Pour savoir, montant combien bazali kolingako, baby sa, tope ko bimi sa, nakati ya trésor public. Nakati ya montant, oye sengeli ba ke nako bimi sa, ndeko Jean-Marie, avant, ndeko Vital Kamerhe répondre, boyo ki mou ya yanzu, alobi li kamboa 1 milliard 200 millions, yangonde ezali, oyo bako bimi sa, selon projet oyo ya makamboa maïs,
tango toko ebi sabino ke Vital Kamerhe na ba 10 ministres nyonso ba telema ki ba kende Afrique du Sud ezali pamba te ba kenda ki na komiti e la projet moko boto na sikon likamboni ne kangine ko Vital Kamerhe awa bakanisa ki ke parce que c'est Vital Kamerhe nous n'allons pas parler ou dénoncer na terme ya kota li sa ke gouvernement azali opérateur économique ete. Le gouvernement azali opérateur économique ete. Tomona ki angona makambo ya mpiodi. Bokeyi boke komiso mbela mpiodi, 6 millions. Boye na mpiodi ango, boye ni esika akotiate. Bosali na noata, recensement en fait. A répertoire mon côté, to contact mon côté. Na bato bate kaka de jan mpiodi na kati ya République démocratique du Congo. Po na kozwa, ba mpiodi wana kokende kope sa bango. Bon, bino boye bisanga. Batwana ni oso, bazali petango mosu na ba, provision na bango ya bampiodi. Peut-être bazan na problème ya moke na likambo etali be exonération. Peut-être bazan na problème moke na likambo etali bolobi. Non, tout de suite, tokati be exonération. Tokati makambo ni oso. Boko mouna ke boko kene na ba tatonnement. Un gouvernement qui arrive à tatonner ya tila 4 ans, 5 ans. Parce qu'il nous reste que 5 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Gouvernement ou ezo kende na ba tatonnement ya tila 5 mois. Ndeko Vital Kamerhe a telemi. Ozali opérateur économique to ozali gouvernement. Pourquoi obanda ki na noté na kovandi sa bato nion so bate kaka maïs? Mais yo ka yo, yo moto ozali na posa ya bato wana. Lance un message ou otindi bato na yo ben baba kende ko inspecter parce que ozali ministre ya économie. Mais inspecteur basa na référence il y a ba économiste nion so wana ba opérateur économique wana nion so. C'est-à-dire, vous avez un répertoire. Imaginez-vous un ministre, oh, Milo Belakazali, ministre de l'économie, de formation et maintenant de profession. Vital Kamerhe a côté de sa lobby, biso toye bi bato angote, so ki vous allez, vous allez s'enregistrer. Donc, Vital Kamerhe, vous ne connaissez pas, monsieur le général Kasongo Kabwik, Otomoni. Envoyé na yo akeyi ko sala un message pour na ko insulter ye na ba monion so à travers ses tweets. Vous ne connaissez pas monsieur le général Kabwik, monsieur Vital Kamerhe. Vous ne connaissez pas les politiciens congolais onion so basala ka bilanga lokola yo ndeko Vital Kamerhe. Vous ne connaissez pas Batouana Nyonso. Mais moi, que si Azako se contredire, nga la landine de Vital Kamerhe makasi, hein? Yo so rozo ki ton ya Rolanda Vital Kamerhe te kende ko bandela ko landa video. Vital Kamerhe alobi, a yebi Batouana Nyonso te ba produza kama sango. Neko Jean-Marie Kasamba tangeli e fungurume. Oyo ako talisake, ako zanga juste moyen ya ko mema ba production ana nyonso a bimi sango parce que ezali tellement na ba secteur o ezali enclavé. Azozan a juste possibilité ya ko bimisango na centre-ville et c'est ka peuple congolais azali pour que ba lia ba beti ya mokara et intéressé ba ngote ndeko Katumbi atali sabiso combien de fois bilanga na ye na TV oyo ko boma bandeko oyo ezali soni ya kotala ke ba se précipité ki na likambo moko boye pona ko kanza tango sou congolais akozala zoba. Ya roke no robete la mango maboko, o ba ke in Afrique du Sud ba ke kolukela biso masangu, nzoka Kongola za susu na point o bango batika i Kongolais lobité. Kongola komi na intelligence mosusu. O na par na ye azota la likambo na liso mosusu. Atali ya lobby, non. Monsieur Vital Kamerhe, vous n'êtes pas un opérateur économique. Comment vous pouvez se réveiller un bon matin après deux mois, ya nomination na yo soki un mois? Pour se retrouver, il y a 10 ministres, il nous cite que 4 ministres. Attendez, il y a mis au combo. Ministre, il y a commerce extérieur. Azalaki, ministre Vital Kamerhe. Bozuye. Bozui, ministre vice naye. Azalaki, ministre, il y a hydrocarbure. Bakomi 4. Ministre, il y a agriculture. Bakomi 5. Zoa, ministre Mosusu. Oyo, il y a Banyamulenge. Bakomi 6. Monsieur Vital Kamerhe parle de quoi? Toko ki ton mosu koza na ba kombo na nyonso na motute me bazalaki au moins 9 ministres na secrétaire général moko. Et le document sur qui? Monsieur Vital Kamerhe nous parle de quoi? Batali si ye pa ndeko Jean-Marie Kasamba ba ndeko na ngale ton nous fait défaut.
Nekonja Marika Sambatali si yeba vérité wana nyonso concernant service national, concernant Fungurume. A komi ono ya ebi bangote ba ya ko s'enregistre. Mais na même point de presse, ce qui briefing émission de ko Mouyaya, ye moko lisusu akei kolobake, toko senga na bato nyonso o bana masangu, ba ya ko s'enregistre pour que masangu wana nyonso population zongo. Mais c'est pas une obligation, ça c'est la dictature. Vous négociez avec moi pour me donner de l'argent parce que je produis avec de l'argent. Vous n'allez pas prendre mes marchandises pour que négocier à moi quand il y a compte Nabino sans pour autant en appeler accord Nanga. Négocier avec moi, j'ai fourni mes efforts que le gouvernement congolais n'arrive pas à fournir. Et pour que n'y a qu'obligé que ma sang wana nyaso boya ko pesa ngona population so ki boyete biso so ki ba inspecteur bakiti to ko bloquer ma sang wana nyaso to pesa ngona population. Non, monsieur Vital Kamerhe, si c'est comme ça que vous allez faire deux choses, il faut avoir honte. Vous parlez d'un gouvernement démocrate, vous parlez d'un gouvernement de Mbouarior, et de Mbouarior vous devez quand même vous manifester à travers un projet. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Et c'est quoi le système? Et dans tout ça, à quoi que le service national, à quoi que la Fungurume, à quoi que la Ndeko Matata Ponyo, à quoi que la Katumbi? Vous voyez un ministre VPM qui sort de son bureau, venir dans un briefing en direct avec les journalistes, face aux journalistes, juste pour répondre 4 personnes. C'est comme monsieur le ministre de Finances. Alors, on lit pour un ministre des Finances, à y qu'on répondre une seule personne, Olivier Kamitadou. Ça fait rire et c'est triste. Face aux journalistes, M. Vital Kamerhe n'a pas pu répondre à toutes les questions, à l'exception, je ne sais. À qui qu'on répondre à la question, mon côté, je n'ai pas fini avec Nekoja Marie Kassamba parce que sa question était tellement grande, avec une intelligence supérieure. Nekoja Marie Kassamba, merci beaucoup, coup de chapeau. Tozo qu'on continue parce que tu as aussi dit ça, journaliste, au bisou tout sélectionné. Quel manque à gagner? Donc, moi, j'ai dit, en tant que ministre d'économie, je dois discuter avec les minières pour dire, monsieur, donc non seulement les codes minières vous obligent à intervenir dans les sociales à travers notamment la production, à travers la construction des infrastructures scolaires et sanitaires, mais là, il s'agit de l'argent qui aurait pu entrer dans la caisse de l'État. Mais l'État dit non. Mais comme on ne sait pas mettre deux prix sur le marché, j'ai discuté avec Patrick, le président, pas vous, hein, le président de la FEC d'Io Katanga. Il m'a dit non, c'est envisageable, on peut discuter. L'autre question, et celle-ci s'adresse aux opérateurs économiques. Il faut que nos opérateurs économiques nous donnent le volume réel du carburant qu'ils donnent aux miniers. Puisque là-bas, au Katanga, il y a un paradoxe. Les gazoles, c'est 75% des quantités. L'essence, c'est 25% des quantités. Mais voilà que le petit peuple, lui, nous, là, c'est à la pompe, c'est l'essence souvent, des voitures à essence. Mais eux, c'est le gazole. Mais quel volume est parti là-bas? Parce que ça influe sur le prix moyen frontière. Et ça peut ramener un abaissement des prix. Donc, c'est complexe. Mais tout ne va pas se résoudre en un jour. Le plus important, c'est que nous ayons conscience des problèmes qui sont les nôtres et que l'État, avec un bras de fer, dans un gant de velours, congolais ou pas, puisse résoudre ce problème. Et ici, je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont bénéficié des exonérations, nous allons revisiter les exonérations en matière de carburant et de pétrole. Puisqu'au Katanga, c'est chaque jour, il y a naissance d'une entreprise. Mais le Premier ministre, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est lié. Des prix de produits pétroliers, vous l'avez dit, on essaie de gérer le temps. Donc, c'était pour lui montrer que l'argent, nous allons en trouver si l'État et si les opérateurs économiques, nous travaillons comme des partenaires.
pour que le peuple congolais trouve son bonheur. Il ne faut pas qu'on nous piège quelque part, comme vous l'avez dit. Vous avez vos champs, vous les montrez par hélicoptère, tout le monde voit à la télévision. Mais au moment de mettre le bunga sur le marché, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti où? On va prendre la question de Pascal. Puisque tu ne peux pas exporter à côté, puisqu'à côté, il y en a. Ça, la dernière mesure que j'ai annoncée, et que j'annonce maintenant, et qui a été adoptée au Conseil, c'est la patrouille économique. On vous dit tous, mettez vos produits sur le marché, les Congolais vont acheter. Quand la patrouille va attraper votre farine chez vous, et elle va la vendre, vous donnez de l'argent, vous serez sanctionné puisque vous êtes assimilable à quelqu'un qui a commis un crime économique. Il faut le savoir. Tout simplement. L'État doit faire entendre sa puissance tout en étant gentil. Merci. On va prendre la question de Pascal Mulegwa. Soyez court, s'il vous plaît, parce que... Et d'ailleurs, nous allons déborder légèrement sur le temps du journal télévisé. Nos excuses, mais l'importance du sujet le requiert. Allez-y, monsieur. Monsieur le vice-premier ministre, dans les accords entre la RDC et les FMI, il y a cette recommandation de réduire les seuils d'intervention économique, notamment pour les cas du carburant, mais avec la crise du maïs, vous venez encore d'ajouter, parce que vous renoncez notamment aux droits d'importation. Est-ce contradictoire? Hein, vous entendre parler des résolutions, des solutions immédiates ou bien à court terme, j'ai comme l'impression que vous présentez un plan quinquennal parce que le budget de l'agriculture représente 2% du budget national et dans l'exécution, il ne dépasse jamais 1%. Y a-t-il des lignes budgétaires, des crédits spécifiques pour financer tout ce que vous avez présenté ici comme plan de relance? Non, Pascal Mulegwa, merci pour votre question. Vous avez bien compris qu'il s'agit de plans. De plan... Ah, vous aviez encore d'autres questions? Donc, j'ai mal prononcé votre nom. Allez-y. Pardon? J'aimerais que vous répondiez. En même temps, vous me dites comment je dois répondre, c'est ça. Il ne s'agit pas de ponctionner par-ci, par-là. Nous créons des conditions pour que notre production soit diversifiée et spécialement la production du maïs au Katanga. On prend la question de Louis-France Kouzikessa. Une courte question, s'il vous plaît. Monsieur le vice-premier ministre, je pouvais vous dire que pour une fois, Vital Kamerhe n'est pas convaincu. Très bien. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans chiffres. Alors, ma petite question, monsieur le vice-premier ministre, et merci au ministre de la Communication, c'est que vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. Pardon? Vous savez, comme tout le monde, que gouverner, c'est prévoir. À l'entrée, en fonction du président de la République, Félix Tshisekedi, on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devrait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents. Pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions, du reste discutables? Pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées, qu'aussitôt que ça arrive, que la solution soit sur la table, parce qu'entre-temps... Je comprends très vite. Inutile de faire une longue... Oui, Yoka, ta question, je comprends très vite. Je suis l'intello. J'ai déjà compris la question, ne finis plus la question. Monsieur Louis-France Kouzouakissa, tu m'as déjà tellement piqué. Attends, donne-moi directement le temps de répondre. Parce que là, si tu continues, ça me choque. Quand tu parles, ça me brille le cœur. Kouzakissa, France Kouzakissa. Non, Louis-France. Tu as tué le monsieur. Bozana gouvernement, Bozali 4 ans, 5 ans. Il vous reste que 5 mois. Donc c'est maintenant là. Donc 5 ans, Nzala, au Bakongole, Bazali Nango. Bomoni a moté. Boye ko pananzala wanande sikoyo. Non, mais quand même. Merci beaucoup à lui, France. Parce que ça a tellement choqué le monsieur à komoka ta question. Ouh, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ce bon zala raté, vraiment, ce briefing allait être encore plus nul qu'avant. Pour faire bref, c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant. C'est un gouvernement qui subit des incompétents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais.
Et la dernière petite intervention, c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème. Parce merci que là, beaucoup. Les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an? Merci beaucoup. Voilà. Bon, ça, l'étude du marché était. Pour la hôtel, il s'agit de Congolais, il consommera combien? Depuis, il y a une explication d'explication dans la décision en annonce. Pour la tromper vigilance, il y a des Congolais, il y a des journalistes qui sont sur place, mais des journalistes avérés. Pose des questions directes à M. Vital Kamerhe. Ils ont posé des questions directes. Ils n'ont pas hésité. Il y a côté l'Isaïe face. En face, que Makambo Okoloba. Na réalité, Obisoto Yebi. Et c'est le côté, monsieur le ministre. O sali nengenini pour que Ozoa Toan, Ozoango. Car on a un mois au Yoye. O recensé directement aux UP. Toi, à consommation, monsieur le ministre. O sali le lengenini. C'est ça l'économie. Merci. Vous vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres. Je n'ose pas croire. Comment pouvez-vous venir parler de l'économie sans chiffres depuis Abanda qui t'a dit combien de minutes? 1h21. 21 minutes. Ndeko Vital Kamerhe à lobby, à lobby, à lobby, à lobby. T'as dit chiffre était. Ce qui ne peut jamais être, ça m'a insisté qui était. Ndeka, kaye, kaye, menani. Mouyaya, a qui coupé sa précision, il y a moins 1,2 milliard, chiffre, papa, c'est comme ça, là, pour protéger, le bio, te moto, Azali, n'a vraiment la précision, ma cabane, il y a ministre, il y a agriculture, mais pourquoi il y a quitté? Question mark, tout là. On voyant. Puisque ici, on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent les déficits. Le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les Grand Kassai et le Grand Katanga. Voilà, il est là. Les chiffres. Le besoin est de 1 million. Mais au sali nengenini pour que vous avez chiffre ou en annonce, c'était ça la question. Monsieur, les chiffres, il est là. Ils sont là. Alors, deux, je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous produisons. C'est ça ce qu'il a dit, Kiaboula, avec tous les autres producteurs locaux. Vous dites que vous êtes déçu pour la première fois quand même parle sans chiffres. Non. Je vous ai dit, oui, il est déçu. Votre prédécesseur, les mécanismes mis en place, c'est que l'État va avancer comme l'argent. Vous savez, l'argent, c'est toujours l'aide de la guerre et de la spéculation. Je ne vais pas le dire ici. Les fermiers le sauront et vous le saurez quand ça sera fait. Je ne vais pas faire de promesses. Le mécanisme sera là. Ça sera un compte séquestre, ça ne sera pas géré par moi. Mais cet argent, c'est du revolving, ce n'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers. Un fermier peut dire non, moi je m'abstiens, j'ai mon argent, je ne prends pas cet argent. Voilà. Bah, tout n'y a question sur chiffres. On va remettre dans les fermiers, les opérateurs économiques, tout n'y a pas de produits, maïs. Dans la République démocratique du Congo, précisément, dans la Grand Katanga, dans la Grand Kassai. Alors, si tu repères, ça va être un bon. Mais il faut dépendre de bango, mais il faut que nous avons un peu de temps, mais il faut que nous avons un peu de temps, nous. Pourquoi vous n'avez pas commencé d'abord par là? Comme il faut recenser, il faut rappeler que nous avons un peu de temps, autour de la réunion, pour précipiter nous avons l'Afrique du Sud, c'est ça la plus grande question de Congolais. Parce que tu as dit que le gouvernement est un peu de temps, mais il faut que nous avons un peu de temps, et il faut Congolais. Ou jusque là, tout ça quand même, d'accord. Mais ce que le gouvernement a fait produire dans le cas de Kanaye, a fait un opérateur économique, il y a beaucoup de gens qui ont fait un nianso, qui ont fait un papananga, et puis il a fait revendre dans la République démocratique du Congo. Le quoi, tout ça qui est dans le Bukanga Lonzo, il y a tout ça qui produit. Et ça, il y a un. Ça dit qu'il y a justement relancé le programme de Bukanga Lonzo. Pour que les Congolais ne soient pas là, qui déjà n'ont pas point. Il y a un point d'achat. Oh, puis ce n'est pas une référence. Pour réhabiliter le point d'achat, un point de vente, pardon, les Congolais ne sont pas comme ils ont. C'était déjà une référence. C'était quoi le projet? Sans projet. Seulement le projet de faire sortir des millions, des milliards. Et voilà. Il y a un million. Pour que les bateaux
oh moto mosu sa komi le bilesa loko oké pas vu pas Moïse Katumbi. Vous dites à Moïse Katumbi que nous voulons vous financer pour que produire ma sango. Tandis que tu produis yo funguru mais na déjà na mbongo na nga. Boko produire nga pourquoi? Nanza na ba besoin, ton na ba souci. Oh nanza na mou besoin, ya ko poser na gouvernement congolais et singela ki d'abord ko kende ko sale étude wana, ko yé ba ba ton na nyanso carence ko ti pourquoi? Ba souci nini ba sanga ko régler ba souci et puis ba ton na ba ravitailler à nouveau. Mais pas que bon c'est décidé boum boum. Allez, toqué Afrique du Sud, toqué Zambie. Après, il y a des gens qui disent, oh non, il y a une main noire. Bande Kolanga. Ce qui est le but, nous sommes gérés par les incompétents. Nous sommes gérés par des irresponsables. Laissez-moi être peut-être direct. Ils nous expliquent, ils nous parlent de main noire. Pendant que main noire en haut, si émission est ce qui productionne, il y a une ligne, il y a une ligne aussi, il y a une ligne qui peut précision à main noire en haut. Il a boudé toutes les questions, à l'exception de la question Morodé. Suivez. Un autre peut dire, je prends. Et la marge de l'intelligence. Vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs, c'est 20%. Les professeurs. Vous savez que pour les distributeurs, c'est 10%. C'est-à-dire, si le maïs est rendu au Katanga à 19 $ la tonne, les prix au marché de Katuba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3. Oui, France. Non. De 22 $. Non, Baba, malade. Et c'est cela. Comment vous pouvez humilier le ministre? Il y a économie pour. Vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres. L'autre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents. Puisque par nature, personne, ni les États les plus avancés comme les États-Unis d'Amérique, ne peuvent dire, bon, moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois. Nous voyons le président américain courir à gauche, à droite. Pendant qu'il est ici, il apprend que là-bas, ça chauffe aussi. Et ça se passe comme ça dans le monde. Il ne faut pas s'en réjouir. Ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont ensevelis par la boue. Personne. Nous sommes au moment, et ils justifient ça par les changements climatiques. Je sais pas. C'est si ça la justification de leur enterrement. Qui refuse, dans des conditions inhumaines. Les eaux de la rivière qui vient de la montagne, qui s'est jetée depuis des siècles dans les lacs Tanganyika. Mais aujourd'hui, le lac refuse ces eaux-là et les rejette à la surface. Attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes. Le gouvernement ne va pas attendre que les gens meurent. Nous avons déjà posé le problème puisque nous l'avons vu. Mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe. Ça, c'est quand même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer ainsi. Parce que la première catastrophe qu'on avait connue... Lui, France, tu as frappé fort. Ce qu'il dit, c'est quand nous sommes partis pour la première fois, après l'élection du président... À gouvernement Cuba, sans projet. Le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sauvé... Il y a à nouveau une affaire Massangou. Tu ne dis pas si béni sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparus. Nous sommes allés là-bas, le président, on lui a expliqué non, c'est parce que nous n'avons pas des quais convenables d'accostage. Tout de suite, il en a commandé 4. Allez poser la question, Jean de Calais, si on n'a pas construit 4 quais modernes. Mais maintenant, c'est venu des montagnes. Et tout ça, si vous me donnez du temps, on peut vous expliquer. Il y a des gens qui prennent de l'eau, il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous, les arbres devaient en pâtir, bien sûr. Qui étaient plantés, les montagnes sont devenues nues. Et ça, la communauté internationale, à travers les Nations Unies, ont une part des responsabilités. Effectivement, le ministre de la Solidarité nationale, dans son rapport au gouvernement, a parlé de ce que fait les réfugiés, ce qu'ont fait les réfugiés hutu-rwandais, qui étaient à la base de la déforestation. Monsieur le vice-premier ministre, je veux me permettre un petit commentaire sur la question de Louis-France tout à l'heure, parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire. Le Congo ne commence pas avec nous, même si nous nous rebâtissons les fondations. Il faut regarder les bilans des départs et regarder où nous allons. Le vice-premier ministre qui était directeur de cabinet du président se souvient bien qu'en 2019, il y a eu beaucoup de contestations quand on a commencé les programmes de la gratuité. Mais aujourd'hui, ça marche. Et nous soulageons des difficultés des millions de familles. Aujourd'hui, on parle... Monsieur Mouya, à part de la gratuité dans ces... On parle de 145 territoires. Il faut donner le temps au temps parce qu'en 5 ans, on ne peut jamais véritablement régler tous les problèmes de la République démocratique du Congo.
On va prendre... Peut-être avant ça, dans le plan... Cette mission, c'est la bino deux parties. Parce qu'il y a une partie où il y a l'obé là qui est opposition. Je veux revenir sur cette partie-là pour que les Congolais va comprendre c'est quoi les jeux de ces gouvernements. Cher ami Congolais, vous avez suivi M. Vital Kamerhe, Bolandi, Ndeko Patrick Mouyaya, Bolandi Batonyonso, oh Bazali Anakatia. Il y a plateau. Nengeni ni na par na bango, bakena ki na ko pose ba question na monsieur le VPM, ponanga conseil gratuit na monsieur VPM, il faut qu'avant na na ndaku na maman Amida. Hein, il faut qu'avant na na ndaku na maman Amida ba passer ba bon moment. Hein, en famille. Ponan moni pe ba na pe ba ki na plateau. To sali 1h10 minutes, to rozonga na deuxième partie côté à Lingala et là où il a répondu. Il a essayé en fait de cracher sur l'opposition. Opposition, où ils ont tiré Bangwa à nul l'eau. Il y a zo qui ne peut cracher sur Yango. Ce qui est opposition, wana. N'après c'est où ils allaient qu'on dénoncer Bangote. Il y a l'inga qui a l'élan explication. Parce que Bangwa quand il y a gouvernement, la Bangwa est le député, est le président de la République, n'a pas ministre, bah pour vivre quand il y a compréhension. Il y a l'ikambo balobaka, les loups ne se mangent pas entre eux. Merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure, mais entre-temps, bon aimer, bon partager. Merci beaucoup, Naba Pro Congo. Nyonso, ba vrai, vrai. Il y a ma mission TV, le miroir du monde. Napé Sibino, merci pour la fidélité et confiance. Et puis, plus, Narotalisa, l'amour que vous dégagez ou vous manifestez à Maman Bibi Kapinga et à ma mission TV, le miroir du monde. Je vous aime tellement. Je vous laisse à travers cette petite chanson. Oui, ça la Kabiso rappelle. Et Toko revenir tout à l'heure. Merci. Fardese, Mampinga ya makasi. Bendene kweyate. Toza simanabino. Ngokolonga.